va commencer. Donc nous sommes extrêmement fiers d'accueillir Yaoum Macabre, c'est comme ça, je crois. En Caraïbes ce soir, donc à l'occasion de l'apparition chez Actes Sud de Confiteor, son dernier roman. On s'est réparti les tâches de la façon habituelle avec Hugues, c'est-à-dire que Hugues va faire les vraies questions et moi je gère le burlesque. Pour ce mois-ci, c'est comme ça. Voilà, on changera le mois suivant. C'est très difficile de parler de Confiteor. On va essayer. On tombe assez vite, quand on veut le résumer, dans le trop restrictif et ce qui peut donner une image faussée du roman. Et en même temps, c'est difficile de pas trop en dire parce que un des grands plaisirs de lecteur qu'on a, c'est de découvrir les scènes foisonnantes et les directions dans lesquelles ça part et auxquelles on s'attend absolument pas. Donc on va essayer de pas déflorer, pour ceux qui l'auront pas encore lu, ce plaisir de lecture-là. En juin, quand vous étiez venu à l'Odéon, vous aviez raconté cette anecdote d'un journaliste qui vous demande, juste avant un show télé, de résumer en quelques mots vite le livre. Et vous aviez répondu, ouais, j'ai mis 8 ans à l'écrire, je vais pas le résumer en 3 minutes. On va y passer la soirée. J'espère qu'on aura réussi à y faire le tour. Alors, Confiteor, c'est une lettre, mais pas seulement. C'est une lettre qu'un vieil homme écrit à Sarah, l'amour de sa vie, dont on sait très vite qu'il l'a perdue, qui retrace sa vie d'enfant, puis de jeune homme, puis d'homme, qui a grandi dans une famille, on va dire maudite, qui a été marquée par l'histoire avec un grand H et par les trajectoires assez incroyables de 3 objets, un violon, une médaille et un chiffon à carreaux bleus et blancs. C'est l'histoire d'un enfant qui grandit sans beaucoup d'amour, avec des parents qui ont surtout des projets pour lui. Sa mère veut en faire un violoniste prodige, son père veut en faire un humaniste total qui parlerait couramment 14 langues, dont le latin, l'araméen. Un père qui est collectionneur et qui, pour son malheur, transmet cette fièvre à son fils, ce besoin de posséder des objets. Mais Confiteor, c'est pas seulement ça, parce que là on a l'impression d'un drame familial étriqué. C'est aussi un énorme monceau de réminiscences où s'entremêlent des dizaines et des dizaines de vies humaines, des vies qui ont été bouleversées par l'Inquisition, le franquisme, les camps de concentration, le mal avec un grand M, qui charrie un fleuve à travers tout le roman de meurtre, de trahison, de vengeance, et qui sont cristallisés par ces 3 objets que j'ai évoqués. Là, juste, on effleure le thème, hein, j'ai à peine raconté. Jusqu'ici, je dis pas de bêtises. Au-delà du thème, il y a la forme, et là c'est l'énorme force de Confiteor, puisque Yaoum Macabre fait voler en éclats tous les codes de narration. On passe du je au il dans une même phrase, on fait des grands écarts temporels dans un même paragraphe, parfois au sein même d'une même phrase, et ça part dans tous les sens, des changements de lieu, de temps, de personnages qui reviennent, qui vivent les mêmes scènes. La métaphore n'est pas forcément élégante, mais on a vraiment l'impression d'un... Vous savez, ces jeux de doigts avec des élastiques où on fait des nœuds, et puis tout d'un coup, pouf, on tire, et puis en fait, il n'y avait absolument pas de nœuds, tout était clair. Et Confiteor, c'est ça. C'est une belle image. pas une bêtise. C'est pas une bêtise. Et il y a quelque chose d'extrêmement vertigineux. Tout se tient. Quand à la fin, les derniers morceaux tombent en place, on est devant une cathédrale littéraire, et vraiment, et c'est pas un mot qu'on utilise à la légère. Alors, faut être honnête, les 70 premières pages, ça peut faire peur. Ça demande vraiment une confiance de lecteur, c'est-à-dire faut accepter de donner la main à l'auteur et de se laisser guider. Et Yaoum Macabre est extrêmement doux avec son lecteur, en tout cas avec la lectrice que j'ai été, et il vous lâchera pas sur les 700 pages suivantes. Il y a vraiment un flot qui vous emporte, et,
et qui, une facilité de lecture qui se fait, alors que c'est une très grande force de ce roman, cette fluidité-là. Est-ce que vous voulez réagir? Donc on va lire un petit extrait. Je sais pas si ça peut rendre compte juste ce morceau-là de l'ampleur de la chose, mais voilà, une miette. On a essayé de choisir des extraits à la fois assez courts et en même temps qui ne trahissent pas d'éléments essentiels de l'intrigue. Parce que comme le disait Anaïs, l'intrigue, on a l'impression pendant 500, 600 pages que ça foisonne, que ça part dans tous les sens, que ça ne pourra jamais reconverger. En fait, ça converge de façon extraordinaire. Ensuite, tout tombe en place. Il n'y a pas une pièce qui tombe à côté du puzzle. Donc, comme ça repose sur beaucoup d'éléments de surprise de narration, mais qui sont toutes particulièrement honnêtes, il n'y a rien dans les manches. Faut essayer de ne pas les trahir, donc c'est pas facile. On a choisi beaucoup d'extraits, on va en lire un très court. Celui-là, c'est l'exemple même de l'honnêteté totale de l'auteur vis-à-vis du lecteur, puisque c'est le premier paragraphe de la première page. Et vous allez voir, tout est vrai. Ce n'est qu'hier soir, alors que je marchais dans les rues trempé de Valcarca, que j'ai compris que naître dans cette famille avait été une erreur impardonnable. Tout à coup, j'ai vu clairement que j'avais toujours été seul, que je n'avais jamais pu compter sur mes parents, ni sur un dieu à qui confier la recherche de solutions, même si au fur et à mesure que je grandissais, j'avais pris l'habitude de faire assumer par des croyances imprécises et des lectures très variées le poids de ma pensée et la responsabilité de mes actes. Hier, mardi soir, en revenant de chez Dalmo, tout en recevant l'averse, je suis arrivé à la conclusion que cette charge m'incombe à moi seul, et que mes succès et mes erreurs sont de ma responsabilité, de ma seule responsabilité. Il m'a fallu 60 ans pour voir ça. J'espère que tu me comprendras et que tu sauras voir que je me sens désemparé, seul, et que tu me manques absolument. Malgré la distance qui nous sépare, tu me sers d'exemple. Malgré la panique, je n'accepte plus de planches pour me maintenir à flot. Malgré certaines insinuations, je demeure sans croyance, sans prêtre, sans code consensuel pour m'aplanir le terrain vers je ne sais où. Je me sens vieux. Et la dame à la faux m'invite à la suivre. Je vois qu'elle a bougé le fou noir, et qu'elle m'invite, d'un geste courtois, à poursuivre la partie. Elle sait que je n'ai plus beaucoup de pions. Malgré tout, ce n'est pas encore le lendemain, et je regarde quelle pièce je peux jouer. Je suis seul devant le papier, ma dernière chance. C'est une bonne idée dans quoi on s'engage, en fait. On a choisi un autre extrait très court qui contraste très fortement, mais qui donne la tonalité, à la fois le balayage historique qu'il y a dans ce livre. On brasse vraiment des époques, on remonte assez loin au Moyen-Âge. Et puis il faut qu'on parle quand même d'un des personnages essentiels de ce livre, qui est le violon. Qui est pour moi un personnage à part entière, et donc savoir un peu comment est né ce violon. Ils s'installèrent dans les murs du monastère solitaire, sous un toit instable et à moitié pourri, et ils achetèrent des provisions aux gens d'Escalo et d'Estaron, qui ne comprenaient pas ce que ces hommes prétendaient trouver dans les ruines du Burgal. Ils s'employèrent pendant toute une lune à construire de solides charrettes pour le transport, en bas, au bord de la rivière, là où le chemin était plus plat. Jachéa m'étreignit tous les troncs vivants, après en avoir coupé les basses branches. Il les frappa du plat de la main et les ausculta, accompagné par le silence sceptique et surpris de ses hommes. Quand les charrettes furent prêtes, Jachéa avait déjà décidé quel épicéa il abattrait, en plus de l'érable. Il était certain que c'était un bois à la croissance exceptionnellement régulière. Malgré les années passées sans pratiquer son métier, il savait que c'était un bois qui chantait. Jachéa passa de nombreuses heures à regarder les peintures mystérieuses de l'abside de la petite église, qui devaient lui raconter des histoires qu'il ne connaissait pas. Prophètes et archanges, Saint-Pierre, son Saint-Patron, et Saint-Paul, Saint-Jean et les autres apôtres avec la Mère de Dieu, louant avec les archanges le sévère Pantocrator. Et il n'éprouva pas de repentir. Et ensuite, ils commencèrent à scier l'épicéa qu'il avait choisi. Oui, c'était un arbre à la croissance régulière, rythmé par le froid qui en ces lieux devait être intense, et surtout constant. Un arbre de la même densité à chaque pouce malgré les années. Mon Dieu, quel bois! Et une fois l'arbre abattu, observé à nouveau par le regard sceptique des hommes qui l'aidaient, il palpa, flaira, frappa le tronc jusqu'à ce qu'il sût quelles zones étaient les bonnes. Avec de la craie, il en marqua deux, une de 12 pieds et l'autre de 10, les endroits où le bois chantait le plus. Et il les fit scier tout en sachant que ce n'était pas la nouvelle lune de janvier, moment le plus favorable selon beaucoup de gens, pour choisir le bois pour faire un bon violon.
c'est que ceux de Mourédà avaient découvert qu'avec la permission des vers, un peu de résine rafraîchissait le bois qui devait faire un long voyage. Il me semble que tu te fiches de moi, dit Bernard. Intervention du meilleur ami du narrateur. Comme tu voudras. Ils se turent, mais l'élève, qui jouait faux, jouait tellement faux qu'il était encore pire de rester sans rien dire. Au bout d'un moment, Adria, comme tu voudras. Mais c'est plus drôle de penser que c'est le violon qui commande, parce qu'il est vivant.